Il la remercie de l'avoir accompagné la gare. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça. C'est... Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois? Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours, et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour. Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger. Ah, il espère que c'est un fumeur. Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre. Ah, et puis quoi encore? Oh là. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, mon chéri, de vous écrire 14 pages tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il me crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour ce bagage, et tout le reste, on s'en fout. Puisque vous partez en voyage,